bienvenue dans cette vidéo. Alors vous l'avez remarqué, c'est un plan qui se joue sur une seule corde principalement et on va dérouler la gamme pentatonique majeure avec des effets de lié et de slide. On explique ça tout de suite. Donc je vous rappelle grosso modo hein, la gamme pentatonique majeure sur une corde. On part du Mi ici et on va aller au Mi à l'octave supérieure. Ça nous donne déjà juste ceci, juste pour avoir les emplacements sur le manche. Encore une petite fois. Ok, une fois que j'ai bien en tête ce schéma-là, ce qui est quand même hyper important, c'est un peu la base. Après, je vais rajouter des effets de lié et de glisser. Donc ça va se passer par groupe de 3. Donc d'abord un lié et puis après le glisser. Et je grimpe au fur et à mesure. Alors la difficulté c'est de garder une certaine force à la main gauche et aussi d'avoir des déplacements précis parce que vous vous rendez compte on a facilement on peut facilement arriver pas forcément au bon endroit, donc soyez bien vigilant avec ça, prenez le temps de refaire le déplacement à chaque fois. De bien taper la corde aussi avec le troisième doigt, ça c'est hyper important, de façon à toujours garder le son à peu près avec la même puissance. Hein. S'il y a une perte de puissance, à ce moment-là, reprenez en arrière pour avoir justement quelque chose d'assez équilibré. Et vous avez sûrement entendu que je vous ai précédé toutes mes notes par un effet de rec. Alors là, ça se réalise avec la paume de la main droite. C'est pas écrit sur la partition parce que ça, encore une fois, c'est à votre appréciation. Si vous arrivez à le faire, super. Si vous n'arrivez pas à le faire, c'est pas grave non plus. Puis encore une fois, c'est pas obligé non plus de le mettre devant chaque note. C'est plus un tic, moi, que j'aime bien. Donc du coup, je l'ai fait. Voilà, tout simplement. Donc comment est-ce que je fais? C'est que je bloque déjà toutes les cordes avec la paume de ma main droite. Je pars du mi grave, grosso modo. Et je vais jusqu'au si. Voilà, mais si je le fais sans, ça marchera aussi super bien. Voilà, puis encore une fois, je suis pas obligé de faire autant de cordes. Ça, c'est encore une fois un truc un petit peu personnel, et puis ça dépend de presque de l'humeur du jour, j'ai envie de vous dire. Donc ne vous attardez pas forcément sur savoir comment faire le truc très précisément. Restez plutôt, concentrez-vous surtout sur cette mine mélodique qu'il faut réussir à faire progresser tout au long de l'exemple. Donc je vous rappelle que le lien vers le backing track est disponible dans la description aussi, c'est très important pour vous entraîner. Et enfin, je conclue ce plan-là que je fais une fois sur deux par un petit plan hendrixien, c'était vraiment histoire d'eux, hein, le petit clin d'œil. Voilà, on est ici, on est basé sur un accord de mi majeur, parce qu'on est en mi, ça vous le savez. Avec tous les effets de jeu, un petit barré. Et aussi, information très importante, je ne fais que des coups de miator vers le bas. Pourquoi? Bah, simplement pour avoir une espèce d'unité dans la puissance que je vais mettre dans mes attaques. Voilà, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez la partager, vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre la petite cloche. Vous pouvez mettre un petit commentaire en dessous si vous avez des questions. N'hésitez surtout pas et moi je vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao, ciao.